Hey, salut tout le monde, c'est Superflu, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour vous montrer comment avoir ce genre, je sais pas comment ça s'appelle, donc on va dire un lien entre guillemets sur ces vidéos, par exemple un truc de Twitter, par exemple comme moi vous avez juste à me rejoindre sur Twitter ou le pouce pour vous dire vous pouvez aimer la vidéo. Donc je vais vous montrer que ça bug un peu. Voilà. Si tu as aimé, lâche un like. Des trucs comme ça sur les vidéos. Il y a Facebook, YouTube aussi. Donc je vais vous montrer. C'est super simple à faire. C'est pas compliqué. Il va y avoir un lien dans la description de la vidéo. Il faut le télécharger. Vous faites download. Vous l'enregistrez. Si ça vous met un petit carré enregistré, vous le faites enregistrer. Vous le mettez sur le bureau. Ça va se mettre tout seul en principe. Ça va être un truc comme ça. Vous inquiétez pas. Il faut aller sur Photoshop et ça va se passer sur Photoshop, mais c'est super simple. Moi j'ai cherché, je me suis renseigné sur Facebook, sur des groupes Facebook, comment ça marchait et tout. On m'a dit c'était à toi de créer et tout. Il y a une personne qui m'a donné un lien de vidéo à regarder, mais la personne parlait en anglais donc c'était un peu chiant. Je vous promets, j'ai mis 1 heure et demie voire 2 heures à chercher. Et du coup, grâce à la personne qui m'a donné le lien de la vidéo, en fait, la personne, en fait, c'était une personne anglaise, il y avait un lien sous sa vidéo. Vous les cliquez dessus, il y avait ce que je cherchais, que je vous ai montré au début. Et en gros, en fait, ici, il va avoir un dossier, il faut aller sur Photoshop. Et en gros, vous allez voir, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Donc Photoshop, il faut l'avoir, il faut le craquer. C'est pas vraiment compliqué. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Désolé, je sais pas le nom, je vais chercher le nom et je mettrai dans dans le titre de la vidéo. Donc vraiment désolé. Et après vous avez juste à mettre ça sur les vidéos. Donc je vous ferai une petite capture pour vous montrer comment ça marche sur les vidéos, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant on attend que Photoshop s'ouvre. J'ai dû l'ouvrir avant, mais c'est pas grave. Donc pour l'instant je vous invite à laisser un petit j'aime, à vous abonner bien sûr, et de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Donc je regarde aussi si ça marche très bien. Voilà, ça tourne, donc je regarde quand même. Je préfère regarder. Bien, il veut pas partir. Par contre Photoshop il veut pas s'ouvrir. Donc est-ce qu'il a bugué? Je ne sais pas du tout. Bonne question. Est-ce qu'il rame? Est-ce qu'il a bugué? Hélas, non, il s'ouvre. Donc, il faut attendre un peu. Il rame, parce qu'en même temps, quand je suis en train de filmer avec Cam16 Studio, ça rame un peu. Mais vous inquiétez pas. Ah putain, ça va me refaire la même. Donc, en principe, ça ne doit pas vous mettre ça, mais je sais pas pourquoi ça me met tout en fait quand j'enregistre avec Cam16 Studio. Dès que je fais une vidéo sur Photoshop, ça me fait ça. J'espère que cette vidéo va pas être supprimée. Et oui, parce que je tiens à vous dire que la vidéo précédente sur Photoshop a été supprimée. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc j'espère que ça va pas faire la même. Vous faites ouvrir. Vous faites ouvrir. Vous cherchez le dossier. Donc là, moi, c'est des montages pour vidéo. Vous cherchez le dossier. Il est là. Vous cliquez dessus. Vous faites. Je sais plus si c'est. Appliquer ou conserver le cake. Non, conserver le cake. Le cake. Ah, je sais plus. Non, je crois que c'était appliquer. Ah, je sais plus c'était lequel. Bon, de toute façon, on va regarder. Si ça marche pas, j'ai juste à faire appliquer. Enlever puis faire appliquer. Vous inquiétez pas. Après, ça va s'afficher tout en bas. Au moins que je me suis trompé. Non, je pense que je me suis trompé. Non, c'est là. Voilà. Donc au début ça va vous faire un truc comme ça, un truc bizarre là. Voilà. Vous avez juste à cliquer sur Facebook là, vous le voyez, c'est marqué Facebook, Twitter. Donc là ça veut dire abonnez-vous et like le petit pouce. Vous le cliquez par exemple sur Facebook, vous cliquez là sur l'œil et ça vous affiche Facebook. Un conseil, faites pas comme moi, faites-le vraiment un par un. Moi j'avais fait les 4 en même temps. Et ceci après pour enregistrer, ça marche. Mais ceci après vous pouvez pas le mettre sur les vidéos. Donc vous avez juste à faire celui-là par exemple.
Je veux Facebook, mais ça peut être n'importe lequel. Je vais vous montrer, de toute façon, je vais vous montrer les quatre et après je vais vous montrer pour enregistrer un seul. Donc, on a Facebook, Twitter. Pour s'abonner, le logo de YouTube. Mais non, mais vas-y, tais-toi. Voilà, comment ça. Voilà. Ça peut arrêter s'afficher. Je disais le logo de YouTube. Ça veut bien s'afficher. Ah. Ok pour tout. Ok. Là, c'est chaud. C'est la première fois, ça me fait. Non, ça me fait un point, mais même c'est chaud. Par contre, YouTube, il va pas le prendre. Ah putain, c'est quoi ce délire? Bon bref, je l'ai fait bouger, mais à la base, il doit pas être travers, il doit être droit aussi, mais je sais pas, ça rame un peu. J'ai un peu du mal avec l'ordi, j'ai un peu du mal. Donc voilà, vous avez celui de YouTube, abonnez-vous bien sûr. Bon là, sur le côté, vous pouvez pas le changer. Il y a juste tout ça, vous pouvez changer. Et le petit j'aime de la vidéo. Donc par exemple, je vais garder juste le j'aime de la vidéo. Parce que c'est ça qui vous intéresse, je pense. Dès que vous l'avez, vous cliquez dessus, vous allez dans le texte, juste ici. Vous cliquez une fois dessus. Vous cliquez sur le logo, vous faites OK. Et là, vous pouvez effacer et vous marquer ce que vous voulez. Ah, voilà. Si vous voulez, je sais pas. Bon, là, c'est marqué en anglais. Moi, je connais pas trop l'anglais, oui, sauf like. Si, tu veux, ou si vous voulez marquer, je sais pas, par exemple. Liker voilà, vidéo. Donc c'est sûr pour l'instant c'est un petit, mais vous inquiétez pas, vous pouvez le mettre comme ça, vous le faites agrandir. Il faut l'agrandir. Donc voilà par exemple comme ça. Bon bien sûr moi c'est pas écrit comme ça, mais je vous montre le principal. Après vous pouvez changer la police et tout, moi je laisse comme ça. Donc voilà, ça rend comme ça. Là je peux vous montrer comment ça va rendre comme ça sur les vidéos. Donc pour enregistrer un par un, moi je les fais pas tous, je vais pas faire Twitter, Facebook et abonnez-vous bien sûr. Je vais pas faire les quatre, mais je vais vous montrer juste comment faut faire. Vous avez juste à faire fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Vous cliquez dessus, ça va faire un grand carré un peu bizarre. Vous faites voilà, ça va faire ça. Vous faites enregistrer. Mais juste enregistrer. Ça va le foutre sur le bureau. Vous le mettez sur le bureau. Voilà, c'est plus simple. Et moi, du coup, moi j'ai fait un petit coupeur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur sur une vidéo, bien sûr. Vous inquiétez pas. Donc là, je ferme. Je vais vous montrer. Il est juste là. Donc c'est transparent. C'est fait exprès. Donc, on attend un peu. Essayez d'enregistrer. Voilà. Likez ma vidéo. Voilà, c'est tout simple. Donc moi j'ai fait une petite coupure et je vais vous montrer à quoi ça rend sur comment ça s'appelle sur une vidéo. Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc du coup on se retrouve sur la deuxième partie de la vidéo, donc sur Camstasia, pour vous montrer comment ça fait l'effet du like sur la vidéo. Bien sûr c'est une vidéo qui va arriver sur la chaîne, pour le moment c'est juste un test, vous inquiétez pas. Comment ça s'appelle, ça peut marcher, ça marche aussi sur Sony Vegas, vous inquiétez pas non plus. Donc moi je vais aller dans montage vidéo, je marquais je montage GTA, mais je comprends c'est montage à voix. Hop, je vais prendre celui-là de aimer la vidéo, bien sûr le but. Vous le mettez ici juste au-dessus et vous faites par exemple moi je vais abaisser le son parce que sinon vous allez avoir le son. Et c'est une vidéo qui va arriver en principe sur la chaîne dans très vite. Donc pour l'instant il n'y a rien, vous inquiétez pas. Là vous allez dire ça fait moche, c'est en plein milieu de l'écran, mais vous avez juste à le faire descendre en bas. Vous inquiétez pas, le carré qui est autour va disparaître pendant l'enregistrement de la vidéo dès que vous l'avez enregistré. Donc vous inquiétez pas, ça va partir vraiment. Donc par exemple je remets. Après vous pouvez l'agrandir si vous voulez que ça dure plus longtemps, si vous voulez que ça dure moins longtemps, si vous voulez mettre au début, à la fin, voilà, c'est à vous de planifier, en fait, c'est à vous de faire bouger, voilà, comme vous le voyez. Par exemple, moi je le mets ici, à ce moment-là, et voilà, ça rend ça. Le carré, vous avez vu autour, il a disparu, et voilà, donc du coup, ça va rester comme ça un bon moment. La vidéo, bon, là, ça bouge pas beaucoup parce que ça bug,
Mais voilà, c'est marqué si tu as aimé, lâche un like. Vous avez vu, ça dure un bon moment. Si vous voulez que ça dure toute la vidéo, voilà, vous laissez toute la vidéo. Si vous voulez que ça dure que au début, voilà, c'est à vous de choisir, vous de l'emplacer. Moi, je peux en mettre d'autres pour vous montrer. Par exemple, celui-là de Twitter. C'est un petit exemple. C'est un petit exercice, c'est pas mal. Voilà. C'est juste pour voir, voilà, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est pareil, ça va vous mettre en plein milieu de l'écran. Donc il faut pas avoir peur, vous le mettez comme vous voulez. Moi je le mets en bas à droite, je peux le mettre en haut à gauche. Vous pouvez le mettre partout en fait, c'est à vous de voir où vous voulez le mettre. Moi je trouve que c'est pas mal parce que ça fait genre ça sort de là. Après avec un petit effet, ça fera peut-être pas mal qu'il bouge tout seul. Après c'est à vous de voir où vous voulez le mettre, si vous voulez qu'il arrive par là. Je sais pas, c'est à vous de voir, voilà. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Bien sûr, il faut bien tout voir. Faut pas cacher ça, par exemple mon Twitter, faut vraiment tout montrer, voilà comme ça. Hop, et en gros, bah, ça va bien donner après, voilà, ça va donner des trucs comme ça. Donc, j'espère ce tuto va beaucoup vous aider. Je mettrai le titre dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et le lien dans la description de la vidéo, donc j'espère que vous avez bien compris, j'espère que ça va vraiment vous aider. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Du coup voilà, si vous avez des soucis, dites-moi-le en commentaire, hein, je pourrai refaire la vidéo, ça me dérange pas. Et moi, je vous dis à très vite, ciao, bye bye, et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Allez, salut!